Salut, salut, on se retrouve pour une nouvelle Salut, vidéo La salut, Basse on se Code. retrouve pour une nouvelle vidéo La Basse Code. Et j'ai oublié de muter certains onglets de retour vidéo. Voilà. Mieux comme ça. Donc, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme on est jeudi, ça veut dire que c'est la base code. Je suis toujours Nils et on va continuer nos aventures avec Terraform, Cloud Init et puis on verra à un moment peut-être faire un peu d'Ansible. Je sais pas si on va y arriver ce soir, mais je pense que ça va être encore essentiellement du Terraform et du Cloud Init. Salut à toi, Localhost HD, bienvenue. Coucou Studio Cyanotype, fidèle au rendez-vous, merci à toi. Est-ce qu'on a d'autres gens qui sont déjà arrivés? Hop là. Alors, je vais en profiter pour rappeler un peu comme d'habitude. Ouais, la musique, on va la baisser un petit peu. Hop. Voilà. J'espère que c'est mieux côté musique. Alors, on va la remonter. Non, c'est bon. Je redescends encore. Ok, alors. Hop. Voilà. Bon. Il faudrait que je trouve un moyen d'avoir des presets volume musique précis, mais ce sera pour une autre fois. Bien. L'objectif à la base, c'est de mettre en place en fait un labo réseau, une sorte de maquette qui se veut un peu, comment dire, est-ce que je devrais dire représentatif de l'Internet? Peut-être pas, mais en tout cas, c'est l'idée, ça reste d'avoir une maquette sur une machine, une maquette en machine virtuelle. Qui permet de faire des tests qui ressemblent à ce qu'on pourrait trouver comme configuration sur Internet en simulant notamment des opérateurs réseau, des services qu'on retrouve sur Internet comme des serveurs web, des serveurs DNS, ce genre de choses-là. Alors bon, une image valant 1000 mots, on peut jeter un œil tout de suite au schéma. Qui en fait représente en gros ce que dans un premier temps ce que j'essaye de faire. Ça n'est qu'une première étape dans l'absolu, c'est-à-dire qu'on a en fait toute cette partie-là qui est hop là. Si je veux bien le on va enlever si j'enlève si je fais comme ça. Ouais, mieux. Donc en gros, toute cette partie-là, là, toute la partie qui est sélectionnée là, en gros, c'est de la machine virtuelle et l'hyperviseur se trouve ici. Alors l'hyperviseur, là, il a une forme de routeur, mais c'est parce qu'en fait, l'hyperviseur fait le routage pour sortir sur Internet. Enfin, il fait le routage et le NAT même. Côté réseau, entre guillemets, la maquette, en quoi elle consiste? Eh bien, elle consiste en différents routeurs ici qui simulent des opérateurs Internet, des fournisseurs d'accès. Et puis, on va avoir différents services qui sont fournis par ces fournisseurs d'accès. Donc là, on en a deux qui ont du DNS, plus une machine virtuelle ici, qui en fait va nous servir un peu plus tard quelque part on va dire de bastion Ansible, je pense. C'est en tout cas depuis cette machine que j'espère pouvoir déployer toutes les confs. Alors bon, ce sera forcément un peu limité par rapport à ce qu'est vraiment l'Internet. On n'a pas aujourd'hui sur Internet une machine avec un logiciel de gestion de conf et qui va pousser sa conf sur tous les routeurs de la Terre. Heureusement que non. Mais l'idée, voilà, ce sera de pouvoir ensuite déployer différents services facilement, de pouvoir les détruire facilement pour pouvoir ensuite revenir à l'état de base facilement. J'avais déjà dans le passé monté un lab. Alors pas tout à fait comme ça, mais dans un genre similaire. Et la problématique, c'était que au bout d'un moment, en fait, on commence à faire des modifs et puis on n'arrive pas à revenir en arrière sur ces modifs. Donc j'espère pouvoir résoudre ce problème-là.
La vidéo précédente, on avait... Alors, normalement, ça... Hop, cette partie-là, ça, c'est déjà fait. La vidéo précédente, on s'était occupé de ce routeur et normalement, au moins d'un des VPS, si ce n'est les trois. On va regarder ça tout de suite. Alors, on va regarder ça tout de suite avec hop, mon Virtual Machine Manager qui est là. Où j'ai, a priori, ISP3, VPS1, VPS2, VPS3. Donc ça, c'est bon. On va d'ailleurs aller se connecter. Si je fais un petit sudo virsh list, on voit bien sur ma machine que j'ai toutes mes VM, notamment mes trois routeurs. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite aller faire un petit tour sur celui-ci. Voilà. Avec le login, le mot de passe, et on va pouvoir faire un show IP-BGP summary, qui permet de regarder un peu l'état de la configuration de BGP sur la machine. On peut voir que pour le moment, il se sent... Ah non, c'est bon, il a juste un copain qui est l'AS65002, et ça tombe bien, parce que lui, il est branché à lui. On arrive à un moment où, globalement, là, on a déjà des VM qui, pour l'instant, font pas grand-chose, mais elles sont là. On a, si j'arrive à faire un ping tout de suite vers le 10.1.1.53, ça tourne pas. Est-ce que le 10.2.1.53 tourne? Oui, il tourne. Il tourne. Ça, c'est cool. Donc, on va aller jeter un œil sudo virsh console ISP2 routeur. Je l'ai appelé comment? Routeur. T'es où le virt manager? Hop, t'es là. ISP2 routeur 1. Ok. Hop. Show BGP summary. Hop, il a tout ce petit monde. Si je fais un ping vers 10.1.1.53, ouais, il ping. Alors, est-ce que c'est qu'il a mis du temps à démarrer? Parce que je l'ai démarré juste avant le... Alors, ça, c'est le 10.2. Et le 10.1, non, il répond toujours pas. Est-ce que je peux faire un petit MTR? Est-ce qu'il y a MTR là-dessus? Invalide commande. Non, bon, on va faire un trace route alors. Hop. Parce que lui, il arrivait à le pinguer. Et est-ce qu'il arrive à avoir... Alors, qu'est-ce que j'avais mis comme IP sur les VPS? Ping 10.3.1.101. Non, il l'a pas non plus. Donc, on a dû oublier quelques petits trucs. On va regarder un peu à quoi ressemble la configuration du routeur ISP3. On a bien un ETH0 en 10.3.1, un ETH1 en 10.3.4 qui normalement est relié à rien. Si je reprends le schéma, il est relié à ça, et pour l'instant, bah, il n'y a pas. Et on a le 10.2.3.2 en ETH2, ok. Si je fais juste un show IP route, hein, il lui manque la route par défaut. Mais il a le 10.1.1.0 qui est dispo. Est-ce que ça voudrait dire que notre... si je viens ici et que je me connecte au routeur 3, virsh console ISP1 routeur 1, hop, sudo VIOS paf. Et si je fais un show IP route, donc lui, il a le 10.3.1.0, ouais, il le connaît. Si je fais un ping vers le 10.3.1.1, non pas. Si je fais le 10... Ah, je crois qu'il manque des routes. Il manque le genre le 10.2.3. Je l'ai pas là. Si je tente un ping vers le 10.2.3.1 par exemple,
Il va partir par sa route par défaut. Donc, ce qu'on va dire, c'est qu'on va aller sur le ISP2 routeur 1. Il a la route 10.2.3.2. Alors, si je fais un petit show, configuration à nouveau. Dans les adresses qu'il envoie, il envoie celle-ci. Donc, je peux faire un petit set. D'abord, un configure. Hop. Je fais un set BGP. Non. Ah oui, c'est set protocols. Set protocols BGP. Un truc qui est pratique sur cette distribution Linux via iOS, qui a une CLI qui est un peu particulière, c'est que on peut, quand on lit la conf, en fait, on peut ensuite en déduire les commandes. Donc typiquement, je sais que pour aller rajouter un réseau ici, eh ben, je vais faire d'abord un configure, mais ensuite je vais faire un set protocols BGP. Adresse family, IPv4 unicast, network, avec l'adresse du réseau. Donc, set protocols BGP, adresse family, on a dit que c'était IPv4 unicast, voilà. IPv4 unicast. Et on rajoute un network. Et comme on est sur le ISP2, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter les deux autres réseaux, tout simplement. Donc 10.1.2, juste au cas où, 10.1.2.0/24. Voilà. Et on va rajouter le 10.2.3. Alors, hop, on va reprendre la même, ici. On va faire 10.2.3.0/24. Voilà. Et on commit pour appliquer les changements. Ensuite, si je regarde sur mon ISP, on va reprendre la partie BGP. Voilà, si on refait un show IP BGP summary pour voir si les routes maintenant sont annoncées. Pour le moment, on a juste lui en neighbor, comme toujours. Et si je fais un show IP route, on a le 10.2.3.0 qui est passé et le 10.1.2. Donc normalement, maintenant, si je retente mon trace route, voilà, le trace route est passé. Et si je ping, ça fonctionne. Et si je reviens ici sur le routeur 1 et que je fais un petit show IP route, on a le 10.2.3 qui est apparu, qu'on n'avait pas forcément. Donc si je tente maintenant lui il répond. Parfait. Ce qui veut dire qu'il va falloir que j'aille commencer à faire quelques modifs. Donc on va revenir ici. Et ces modifs, on va pas les faire dans Terraform, on va les faire dans CloudInit. Alors, ceci étant, j'aime bien m'organiser. Alors, j'ai pas pensé à le faire avant le stream. On va faire un petit... Alors, vim-p. Alors, isp1compute. Alors, Terraform. Hop, slash... Celui-là. Remarque, si je suis dans le 1, j'aime bien faire mes Terraform init et tout ça ici. Dans le 2, bah là je vais quitter. Hop. Git. La base code. On va aller dans le répertoire Terraform. Et on fait un vim-p étoile.tf. Voilà. Ensuite ici, on va couper aussi. On va aller dans Git, GitHub. Ah oui, bien entendu, hein, tout ce code-là est ouvert. C'est disponible sur GitHub. Et on va pouvoir... je vais vous montrer tout de suite. Hop. Voilà, c'est disponible sur GitHub. Et je fournis généralement le repo. On va le mettre tout de suite dans le chat. Voilà. Et je vais le mettre aussi sur Discord. Comme d'habitude, dans les liens du live. Et vous pouvez retrouver le serveur Discord par ici ou en dessous. Hop là. Bien, revenons à nos moutons.
Alors, je voulais aller dans le Cloud Init, en lab as code Cloud Init. Voilà. Et enfin, étoile slash user data. Hop. Voilà. Donc, lui, c'est le DNS. Lui, c'est le ISP1 router 1. Donc, c'est très bien. On va aller revenir ici. Et on, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire... Bah, tiens, il a déjà, lui, deux réseaux à annoncer. Si je reprends mon schéma, en fait, il annonce ce réseau-là. Il annonce la route par défaut. C'est pas très... Comment dire? On n'annonce pas la route par défaut sur Internet, mais c'est pour les besoins de la maquette. Puisque toute cette partie-là, au final, n'est pas vraiment représentative. Mais du coup, il y aura le 10.6.1 et il y aura le 10.1.2. Donc, allons-y. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire tout de suite le 10.1.2. Voilà. Et on va lui dire le 10.6.1 aussi. Voilà. Et il lui faut des interfaces en plus. Mais oui, elle est là. Ok, parfait. Parfait. Donc ça, c'est bon. Ensuite... À ce niveau-là, ça c'est un VPS. Ça aussi. Là, on est sur lequel? On est sur le ISP2. Donc on va descendre. On va aller chercher. Voilà. Ici aussi, on a les routes. Donc, on va regarder à nouveau dans le draw.io. Donc il y a la route par défaut. Le 10.2.1, on va lui remettre le 10.1.2 et on va lui mettre le 10.2.3. Hop. Et le 10.2.3. Voilà. Enfin, le ISP3, on est ici. Alors lui, il n'annonce pour l'instant qu'une seule route et il n'annoncera pas la route par défaut. Il y a le 10.2.3 qu'il faut rajouter et le 10.3.4. Hop là. Et le 10.3.4. Voilà. Donc normalement, là, si je détruis et que je recrée mon lab, le routage devrait être bon du premier coup. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va se refaire un petit terraform init moins upgrade. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un auto. Hop, on va faire un petit destroy auto-approve, suivi d'un terraform apply, hop, apply, moins auto-approve. Comme ça, il va tout détruire et il va tout recommencer maintenant. Hop, voilà. Et hop. C'est assez marrant de voir quand on est sur le... Voilà, tout a été détruit, là, il n'y a plus de VM. Alors, je vais, hop, planquer ça pour l'instant. Et... Et voilà, ça commence à repopper. En voilà déjà deux. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que tout ne vient pas de façon... comment dire... Tout en même temps. En fait, d'abord les deux routeurs... Ensuite les deux DNS et après le reste. Enfin, presque, puisque en fait, en gros, il faut que les routeurs soient disponibles avant les machines qui sont derrière. Et une fois que ces deux machines-là sont up, normalement les autres routeurs, alors quand on les popera, quand on les créera. Et puis bah, il y a ces trois VPS-là qui de toute façon dépendent de ce routeur-là. Donc j'ai rajouté dans le code Terraform des temps d'attente. Et des dépendances de façon à ce qu'il faut attendre que une machine soit lancée, plus attendre un petit peu. Alors c'est de l'ordre de 30 secondes, 60 secondes, parce que en fait, pour Terraform, à partir du moment où la VM a démarré, c'est bon, il peut passer à la suite, dans le cadre d'une dépendance.
Sauf que dans notre cas de figure, il faut encore que la machine démarre et que sa conf Terraform lui soit, pas Terraform, sa conf Cloud Init lui soit appliquée. Ce qui prend un petit peu de temps, parce que Cloud Init n'est pas le truc le plus rapide de la Terre, visiblement. Et nous sommes d'ailleurs toujours en train d'attendre ISP1 Sleep 30 secondes. Où est-ce qu'on en est? On a le DNS 1 de l'ISP1 et de l'ISP2. Donc là, normalement, à mon avis, il doit commencer à... Voilà, il crée le routeur de ISP3. Très bien. Très, très bien. Alors, pendant ce temps, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut jeter un œil. Globalement, si ce soir je veux, par exemple, finir les routeurs, pour le principe, ça peut se faire relativement rapidement. Hein. On peut copier-coller certains fichiers, modifier les configs. Je pense que dans un premier temps, ça peut être une... Ça peut être un truc intéressant d'avoir un truc qui ressemblerait à ISP3, mais pour tous les autres. Modulo, qu'on ait juste un seul VPS, juste pour valider le fonctionnement. Je pense que ça m'a l'air d'être un bon premier pas. Et une fois que ça se sera fait, on pourra envisager ensuite qu'est-ce qu'on met comme service dans les différents fournisseurs d'accès. Puisque j'avais envie d'essayer, dans certains cas de figure, de simuler des accès Internet domestiques, de particuliers, ou d'entreprises. Ce qui peut s'avérer parfois amusant. Et pourquoi pas, par exemple, un jour, essayer d'avoir un site Internet qui est sur un des par exemple ici, et de voir qu'est-ce qui se passe si jamais lui qui est en face annonce les routes de lui. Ça peut être drôle. Alors, apply complete. Ok, ça c'est cool. Ça c'est plutôt cool. Donc si je reviens cette fois-ci ici et que je regarde le ISP1 router 1. Hop. VIOS. Hop. Je fais un show IP route. On peut voir que il a en BGP, il a récupéré la 10.2.3 et la 10.3.4. Donc ça c'est plutôt bon signe. Et si je fais un ping tout de suite vers 10.3.1.1. Ah, j'ai pas encore de... Ah bah non, effectivement le 10.3.1, je l'ai pas. On va aller regarder. Hop, ici, on va faire un petit sudo virsh console ISP2 router 1. Hop, voyons voir ce que tu me proposes, toi, si je fais un show IP route. Hop. Tiens, tu l'as pas toi le 10.3.1. Tu l'as pas encore. On voit qu'il a le 10.3.4. C'est amusant ça. Et on va aller regarder qu'est-ce qui se passe avec le. Alors, sudo pirsh list. List. Hop. Et puis console. Et on va prendre le routeur. Ok. Alors, il a le 10.6 qui est venu en BGP via le 10.3.1. Ok. Mais si je tente un... Bah si je tente ça, tiens. Ok. Donc là, en fait, on a depuis le ISP3 router 1, donc depuis ici, j'arrive à aller faire un ping vers l'interface qui est ici. Donc il passe bien partout. Si je me connecte au VPS, tiens. Console, et on va prendre lui. Hop. Et que je fais un ping. Si je tente un ping vers 1.1 déjà. Ouais. Ah, il n'a pas récupéré la route par défaut. Alors, si je fais un ping vers le 10.3.1.1. Ça ping.
Ok. Ensuite, si je tente le ping vers le 10.2.3.1, là je l'ai plus. Ok. Si je tente un vers le 10.3.2. Ok. Ça, c'est plutôt bon à savoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui, il arrive à se connecter à peu près là. Il arrive à se connecter là, mais par contre, le suivant, il ne l'a pas. Et si je me connecte, si je reviens sur lui, lui n'a toujours pas la route. Il a ses deux copains, 10-2-3-2 et 10-1-2-1, ok. Si je viens ici, que je fais un show, show IP, BGP, summary, lui il a son copain, ok. Ah, ça c'est intéressant. Il manque des choses. Il manque des choses. On va revenir sur notre conf ici. Alors plutôt ici en fait. Et si je cherche sur l'ISP. Ah bah non, c'est plutôt côté Cloud Init. Est-ce que j'aurais loupé des choses sur le sur ce routeur-là? Normalement, il est censé. C'est marrant, il n'a enregistré que la dernière route. C'est étonnant. Est-ce que c'est que je n'ai pas bien enregistré le fichier? Ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je vais les rajouter à la main. Bon, remarque, de toute façon, on va détruire le truc après, mais bon, pour le principe. Donc, set protocols BGP. PV4. Hop, network. Et 10. Surtout celui-là, 10.3.1.0, slash 24. Voilà. Et là, normalement, si je reviens ici. Oui, bah oui, forcément, lui, il n'y arrive pas. Destination unreachable. Ouais, laisse-lui le temps de 10-2-3-2, c'est bon. 10-2-3-1, c'est bon. 10-1, on va dire 10-2.1.53. Ah, pas encore. Et la 10-2-1-1-53, pas encore. Si je reviens ici sur le routeur 1 et que je refais un petit show IP route. Si, ça y est, on a le 10-3-1 qui est arrivé. On n'y est pas encore. Bah lui, il a tout à voir, hein. Hop. Ah oui, mais alors comme le Cloud Init n'a pas l'air de s'être fait avec succès. Alors ce qu'on va peut-être faire par précaution, si c'est le dernier qui se configure, on va peut-être mettre comme ça et on va voir ce que ça donne. Et ce que je vais faire, c'est prendre. Bah, on va continuer. On va continuer les comment dire les configurations. On va rajouter nos. On va rajouter un quatrième. On va créer ISP4 ce soir, je pense. Donc, dans ce cas-là. Ce que je vais faire, c'est que
On va aller dans la partie Terraform ici. On va copier-coller, on va dire le 3 en ISP4. Voilà. On va revenir ici. Compute. Voilà. Et là, pour le moment, le truc, il est en mode ISP3. Alors. ISP3/ISP4. ISP3R, on va dire. ISP4R. Voilà. Ensuite, ISP3 VPS. ISP4 VPS. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste... On va retirer les VPS 2 et 3. VPS 2 et 3, on va les retirer. Hop. ISP4 metadata, VPS 1, hop. VPS 2. Hop là. Alors, je disais le 3 et le 2. Voilà. On va modifier ensuite les interfaces réseau, mais dans l'immédiat, je voudrais juste m'assurer que je n'ai qu'un seul VPS. J'en ai pas besoin ni de 2 ni de 3. Hop. Et celui-là, je pense qu'il peut sauter aussi. Voilà. Ensuite, notre VPS. Bah déjà, il va être dans ISP4.net. Hop. Ensuite. Ce sera un ISP4 sleep. Puisqu'on veut attendre que le routeur soit... soit là. Et ensuite, on va revenir ici. Donc, notre ETH0. Notre ETH0, c'est toujours l'adresse interne. Donc là, ça va être 10.4.1.0. Donc, ça va être dans le réseau ISP4.NET 1. Et ensuite, j'ai dit qu'on avançait dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, on va avoir d'abord le 10.4.5. Donc, c'est le réseau ISP4-ISP5. Je vais aller vérifier ça avec le routeur du ISP3 qui disait ISP3, ISP3, ISP4 et ensuite ISP2, ISP3. Ok. Donc, ici ISP4, ISP5 et ce sera ici ISP3, ISP4. Voilà. Ensuite, ça, c'est la partie juste, je pop la VM et je la mets dans des réseaux. Et je dirais même, je crée les VM et je les mets dans des réseaux. Parce qu'il y a aussi le VPS. Salut à toi. Alors, hop là. Salut à toi, TheGetGet. Ah, le Terraform oui, oh. Je dois avouer que... je tentais de dire, c'est pas pire que JavaScript. Hein. Enfin... Pour le peu que j'ai vu du JavaScript, hein, parce que justement, je m'en éloigne. Après, je suis pas programmeur. C'est pas pour les planètes dans Stargate, le terraforming. C'est une excellente question. Après, je peux appeler ma machine d'un nom d'une planète de Stargate. Hein. on serait dans le thème dans ce cas-là. je sais plus où j'en étais. Si, j'ai fait la partie Terraform, je voulais faire la partie Cloud Init. Et sur la partie Cloud Init, le plus dur, c'est le choix du nom. Ouais, effectivement. Alors, on va copier le ISP3 router 1. Hop, ISP4 router 1.
Voilà. On va aller modifier tout de suite dans ISP4 Router 1 les metadata. Remarque, non, je vais aller, on va pas s'embêter. On va faire un petit sed bien placé. Sed moins i, moins e. Alors, donc on a dit ISP3 Router 1. Hop, ISP4 Router, Router 1. Ça se voit, hop, dans, et ben dans ce, oups là, j'ai oublié un espace, dans ça, et on va dire dans metadata, hop, dans un, oh, on va faire étoile-data en fait, pas s'embêter la vie, voilà. T'as toujours pas compris ce qui, alors, en gros, l'idée, c'est que je crée un labo réseau. Bah en utilisant des technos d'infrastructure as code, donc du Terraform et du Cloud Init, enfin surtout du Terraform. Et donc l'idée, je te remontre le petit schéma. Donc ici, on a la machine qui fait hyperviseur, qui est ma machine de stream. Et puis tout ça là, tout ça, c'est de la, ça va être de la machine virtuelle et du réseau virtuel. Et donc j'essaye de générer tout ça via Terraform, Cloud Init et Ansible. Alors pour le moment, ça c'est juste un premier, une première étape. Et en gros, ensuite, on pourra rajouter des services sur ces routeurs-là. Et ces routeurs-là sont censés... Exactement, tout à fait. Parce qu'en fait, j'ai déjà un labo avec plein de réseaux interconnectés. Et j'ai eu des petits soucis lorsque j'ai voulu faire certaines modifs, de ne pas réussir à revenir en arrière. Donc comme ça, alors, je pense pas que ce soit le principe de Docker, parce qu'en fait, ici, toutes les intercos se font en utilisant le routage, le protocole de routage dynamique BGP, et l'idée, c'est plutôt de simuler Internet, en fait. Enfin, de simuler avec des gros guillemets. Typiquement, chaque routeur ici représente un opérateur Internet, et on peut imaginer que... enfin, un mot que tu connais, Internet, voilà. Donc en fait, voilà, c'est en quelque sorte de faire une petite simulation à petite échelle de l'Internet. Alors bien entendu, je fais tout ça avec des IP privées, et le truc, de toute façon, est connecté à ma machine, et tout ça est ensuite naté. Mais en gros, l'idée, c'est qu'à l'intérieur du lab, je pourrais envisager ensuite de couper les pattes qui relient au reste, et le labo sera indépendant, en fait, idéalement. Hop là. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que les deux routeurs ici, eux, font du NAT, déjà. Et de toute façon, tout le trafic va passer par ces deux routeurs-là pour sortir. Et ensuite, de toute façon, ma machine qui porte toutes ces machines virtuelles, elle aussi, elle va natter le trafic. Donc à partir de là, t'as toutes les briques de firewall qui sont là. Oui. Ah bah oui, tout à fait. Non mais c'est... Oui, c'est natté. C'est clairement natté. Et quand tu vois les 10.x, d'ailleurs, alors je vais peut-être zoomer un peu. Hop, s'il veut bien zoomer... Ici, en gros, ici, on peut voir que j'ai subdivisé tout le réseau en 10, en plusieurs sous-réseaux. Et donc, le principe, c'est que voilà, chaque réseau d'interco est segmenté et ensuite, les routeurs doivent les annoncer. Mais oui, effectivement, on passe sur différents... C'est exactement ça. C'est histoire de dire, d'avoir une représentation qui ressemble au vrai Internet. Tout en restant sur des IP privées, parce que c'est un labo local, quoi. Et boire un coup, ça peut être une bonne idée aussi. Il faut s'hydrater dans la vie, hein. Hop. Alors. Où est-ce que j'en étais, moi? Oui, j'essayais de popper un quatrième fournisseur d'accès. ISP4 Router 1, Metadata, est-ce que ça a marché? Non, parce que je me suis... Alors...
que je vais faire. Si tu veux, je peux revenir en arrière sur certains trucs. Hop. Alors, a priori, c'était ISP1. Hop là. Voilà. Je peux revenir en arrière sur certains trucs, hein, y a pas de souci. Hop, on va quitter. Alors, on va revenir plutôt. Pourquoi il me. Ah oui, il ronchonne parce que. Ah, mais le but n'est pas forcément de. Comment dire. Après, je suis pas obligé d'aller super vite, hein. Je crois que j'ai un fichier .swp qui traîne. C'est ça. Salut à toi, Blazniote. Alors. Qu'est-ce que tu nous racontes? En plus, first time, donc bienvenue à toi. Salut Karken, d'ailleurs. Alors, tu débarques pour le lab, l'infra, c'est du Libirt. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Là, mon poste, ma machine avec laquelle je stream, c'est un Linux. C'est un Linux. Et tout à fait, le provider, c'est le provider Libvirt. Je suis en VM Libvirt. C'est tout à fait ça. Alors, j'en étais à, je voulais... Bah je t'en prie, je suis là pour ça. Si, lui c'est bon, il l'a mis. Il y a juste à changer les adresses IP. Ok. On va copier aussi, de fait. Alors, on va dire le ISP3 VPS1. Hop, en ISP4 VPS1. Voilà. On va tout de suite effacer ce truc-là qui m'embêtait tout à l'heure. Tous les étoiles tilde aussi. Voilà. Et on va relancer le petit sed. Le petit sed qui va bien pour pas s'embêter la vie. Donc normalement, tout ce qui est ISP4 route. Non. ISP1 VPS1. Non, ce sera ISP3 VPS1 en ISP4 VPS1. Dans. ISP4 VPS1 étoile data. On va quand même jeter un œil. ISP4 VPS1 user data. Non, on va faire d'abord le metadata. C'est plus court. Donc lui, il est bon. Et ensuite, on va regarder le user data. Hop. Et le user data. Le user data IP ISP4 VPS1. Donc ça, c'est cool. Maintenant, on va pouvoir revenir ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais quitter les différents fichiers pour tout rouvrir d'un coup, en fait. Hop, voilà. Comme ça, j'ai tous mes fichiers qui sont ouverts et vous pouvez voir en haut, j'ai les petits onglets. Donc là, c'est pas celle-là que je veux. C'est pas celle-là que je veux. Toujours pas. ISP2 non plus. ISP3 non plus. ISP3 non plus. Hop, ISP3 non plus. Là, ça doit être pareil. Et on arrive sur l'ISP4. Ok. Alors, si je reprends mon schéma ISP4, bah, il n'est pas censé avoir grand-chose. On a le TH0 qui est en 10.4.1. Alors, on va revenir ici. On va lui dire ETH0, c'est donc ISP4.net. Qui est en, qui sera en 10.4.1.1. Voilà. Ensuite, le TH1 qui vient ici, qui est la 10.4.5. Donc le TH1 du réseau 4 vers le 5. Et qui donc sera, on l'a dit, en 10.4.5. Et comme elle est en 10.4.5, c'est la 1 qui est ici. Et là, on sera sur le réseau 3 vers 4. Et donc, on est en 10, 3, 4 et point 2. Alors, je devrais peut-être rajouter sur mon schéma, mais ça va peut-être faire un peu lourd, de dire au fait, ton IP ici, c'est tant, ton IP ici, c'est tant. Mais grosso modo, la règle,
La règle, c'est que les routeurs sont en point 1 ou en point 2. Et ici, comme je suis par exemple en 10.2.3.0 sur ce réseau-là, eh bien, lui qui est le routeur ISP2, il aura l'IP.1, et lui qui est le routeur ISP3, il aura l'IP.2. Et donc, avec ce même raisonnement, bah, lui qui est ISP3 sur ce réseau 10.3.4, eh ben, il sera en 10.3.4.1, et lui, il sera en 10.3.4.2. Et je tourne comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors du coup, si je fais comme ça, pour vous, ça fait le sens inverse, donc je devrais dire comme ça. alors, à ce niveau-là, le système... Ouais, on va lui laisser comme ça. Lui, 10.3.1. Alors, on va remplacer tout ce qui est 10.3.1 en 10.4.1. Voilà. Ensuite, on va lui dire que bah, on a des subnets à annoncer au niveau BGP. Donc déjà, le 10.4.1, il est là. Ce sera le 10.4.5 aussi, et le 10.3.4. Ça, c'est bon. Mon numéro d'AS, vu que le protocole BGP fonctionne avec des numéros d'AS... Donc ce sera le 65004. C'est des numéros privés. Hein. Puisque ce qui est assez cool avec BGP, c'est qu'on a la possibilité d'avoir des numéros privés. Et ensuite, mon neighbor BGP, eh ben, ce sera l'ISP3. Et il y aura aussi l'ISP5. Alors ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va lui dire que le pote... Notre pote ici, SP3, c'est 10.3.4.1. Donc, 10.3.4.1, hop. Voilà. Et puis, ce qu'on va faire, c'est... On va copier tout ça. Hop. Et on va dire en dessous que ce sera... Hop. 4, 5... 2. J'ai oublié son numéro d'AS ici, qui est le 3, et ici le 5. Oula, hop là. Alors, 10.4, 0.5, 0.1, 0.2, pardon. Alors, dit comme ça, je vais peut-être un peu vite, mais si jamais il y a besoin, vous n'hésitez pas à me le dire. Et là, l'update source, si je regarde sur les précédents, lui, quand il était en 10.3, tiens, d'ailleurs, lui, il a pas... il va lui falloir le 4, hein. Il va lui falloir le 4. Il va falloir que je le... hop. Il va falloir que je m'en occupe. Alors. Ah oui, c'est qu'en fait, lui, il est 10.2.3.2. Ok. Hop. Et lui, ici, il est, bah, il est 10.3.4.1. Non, il est 10, 3, 4, 2. Et là, ici, lui, il sera 10, 4, 5, 1. Ok. Donc lui, normalement, je lui ai dit ce qu'il fallait. Hop. Tiens, lui, on va le mettre en 10, 2, ici. Pour le DNS. Et on va revenir... On va revenir ici. Et donc. Hop. Et. Hop. Le remote AS, ce sera le 4.
10, 3, 4, 1. Et là, ce sera le neighbor 10, 3, 4, 2, c'est-à-dire le mec en face, enfin le routeur en face. J'ai dit 2, et j'ai dit 2. Donc en toute logique, ça devrait être mieux. Ok. Ce que je vais peut-être faire aussi tout de suite, d'ailleurs, c'est revenir sur le routeur 1 et... hop, je vais sans doute lui faire la même conf. Alors, pour un autre routeur qui n'existe pas dans l'immédiat, mais... ce sera l'ISP6, si tout va bien. 6.1 et... alors, vu que lui, là, il est le 1, là, il sera le 2. Hop. Et ce sera 10, 6. Je pense qu'il faudra que je fasse un tableau avec la table de routage prévisionnelle. Et on pourra comparer avec la table de routage réelle sur les machines. Je pense que j'ai tout. Donc je vais revenir ici. Et puis bah, ce que je vais faire, c'est que je vais tout casser et tout recommencer. Et je pense que ça va pas marcher du premier coup. Hop, donc j'ai ma petite commande Terraform qui détruit tout. Alors normalement maintenant, voilà, il est en train de tout casser normalement. Tout ça là, ça va s'éteindre. Voilà, pouf, 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 il n'y a plus rien. Et ensuite, il va recommencer. Alors j'aurais peut-être dû faire un Terraform Validate avant, tiens. J'aurais peut-être dû. Mais en fait, il a l'air de tout créer. Il a l'air de tout créer, c'est plutôt bon signe. Moi qui me disais que ça n'allait pas marcher du premier coup. Bon, il y a sans doute des trucs qui vont pas marcher. Sinon, c'est pas drôle. Alors. Alors, comme toujours, il y a un peu d'attente, parce que oui, j'ai un petit peu de temps d'attente entre les différentes créations. À cause du temps que les outils de gestion de conf se mettent en place. Et ce que j'aimerais bien faire ensuite, quand je dirais la partie réseau, là, la boucle sera terminée, c'est pouvoir mettre de l'Ansible ici et de pouvoir par exemple configurer un serveur web sur ces machines-là. Ça pourrait être amusant. Salut à toi Jicargou, bienvenue. Alors je sais pas à quel moment tu es arrivé avant que tu dises salut, mais Jicargou, on est en train de créer ISP4 et j'ai mis juste une petite machine comme ici pour ISP3. Salut à toi Blondie, enfin si c'est Blondie avec le 1 en i. Je parlais d'installer Ansible, ouais, à l'occasion. De toute façon normalement sur ISP1 VPS1 normalement Ansible est installé. Mais pour l'instant, il n'est pas vraiment configuré. Mais ça pourrait être sympa, une fois qu'on aura fini la boucle et qu'on aura commencé à voir un peu ce qu'on peut mettre, peut-être tenter de configurer, par exemple, un site web statique. Il en est où, là? ISP4. Alors, si je vous remontre, il est en train de me... Ouais, il m'a fait le routeur. Il m'a fait les routeurs ISP3 et ISP4. Donc à mon avis, il doit être en train de créer les VM pour les deux ISP. Alors. Blondie, c'est pareil, je sais pas à quel moment t'es arrivé. Si jamais tu as besoin que je refasse un petit topo sur là où j'en suis. Apply complete. Ça, c'est plutôt bon signe. Hop. Alors. ISP1, routeur 1. Allez, montre-moi où tu en es. Login, ça, c'est cool. Voilà. Si je fais un petit show hyper route 1, j'ai quoi? Pour le moment...
pour le moment, on a le... Ouais, bah ça c'est normal. On a le 10 de 3 qui est arrivé en BGP. Ça c'est normal. Mais pour l'instant, on n'a pas de réseau... on n'a pas de réseau genre 3-1 ou 3-4. Si on vient ici... tu es arrivé lors de la commande de Terraform. Ok. Alors... Poum, 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 poum. Non, toujours pas de réseau 3. Oh là là. Alors... Ah, il a peut-être pas fini de démarrer alors. Est-ce qu'il m'affiche des choses ailleurs? ISP3, routeur 1. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, c'est qui? Non, il dit serial console. Ok. Je suis là. Ah, bah voilà. Ok, c'est parce qu'il avait pas encore fini de démarrer. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de réseau 3. Hop. Et si je fais un petit show IP route. Voilà, il a commencé à récupérer les routes. D'autres. Il a les siennes qui sont là, les C. Par contre, je vois pas la route par défaut pour le moment. Ce qui veut dire que, à mon avis, tout ce qui est derrière. Tout ce qui est derrière ce routeur pour le moment. Pour le moment. Hop. Alors, est-ce que par hasard, je lui avais dit, eh, au fait, balance la route par défaut, s'il te plaît. A priori, le routeur... le routeur 2, il a pas l'air de faire son job. Hein. Il a pas l'air de bien faire son job, le routeur 2. Ça m'embête. Alors, Bondy, l'objectif, depuis quelques vidéos, en fait, c'est que là, j'ai un schéma avec un objectif d'une maquette réseau, en fait. C'est dans les grandes lignes censé simuler Internet. Donc chaque routeur représente un fournisseur d'accès. Il y en a 6. Et ensuite, eh ben, il y a quelques services. Là, il y a deux DNS, quelques petits serveurs virtuels pour qu'on mette ensuite un site web, par exemple, ou autre chose. Et ce que j'espère, c'est pouvoir ici coller du Ansible pour justement déployer tout le reste. Et donc, pour le moment, on essaye de déployer le quatrième routeur. Mais j'ai comme l'impression que le 3 et le 2 nous font des misères. Hop. Parce que là, typiquement, je suis sur le routeur du 3. Et par exemple, la route par défaut n'est pas poussée, alors que normalement, elle est censée l'être. Normalement, elle est censée l'être. Si je vais retourner voir dans ma configuration ici. Alors, ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais quitter tout ça. Ça commence à faire beaucoup de fichiers. Et ce qu'on va lui dire, c'est qu'on va lui dire... ISP, ce que tu veux. Routeur 1. Voilà. Mais je t'en prie, Blondie, il n'y a pas de souci. Donc lui, a priori, ça se passe bien. Le 2. Pourtant, on lui a dit, vas-y. Vas-y, balance les routes. Alors je vais monter un petit peu le son de la musique pour moi. Voilà. Non mais c'est... Le 10.4, ouais. 10.4.1.1. Ah non, il l'a pas. Il n'arrive pas à l'avoir. Hop. 3. Ah si, ça y est, lui il l'a, le ISP2 il l'a, mais le ISP1 l'a pas, parce qu'il lui manque, le réseau, bah non, a priori il s'en tape, il a pas besoin de tout avoir.
si je fais un trace route, on va repartir où il passe, hein. Donc pour aller au 10-4-1-1, il passe par 10-2-3-2. Directement 10-4-1-1. C'est quoi cette blague? Qu'est-ce que j'ai dans mon... Hop. Je suis bien sur le routeur 2, hein. Ouais, je suis sur le routeur 2. 10-2-3. Puisqu'il devrait, il devrait passer par le réseau 10-3-4 aussi. Il devrait me montrer... Lui, si je suis un ping, 10.1.1.53. Network unreachable. Ok. Parce qu'il n'a pas sa route par défaut qui, lui a, qui devrait lui être poussée par. Par le 2. Et si je fais un show IP, BGP. Alors si je fais un summary. Ok. Prefix list. Texte. Ah, ok. VRF, à mon avis, il va pas avoir grand chose. De toute façon, c'est vite vu, hein. En fait, il n'y a que y a qu'un seul network ici. Donc si je lui si je le passe en 7... Sinon, je sais pas comment on configure. Hop. Que je lui dis 7 protocols. BGP. Adresse family. Hop. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui rajouter. Je vais lui rajouter moi-même les routes. Donc on est sur ISP2, hein. Et on voit juste la route vers le réseau 2.3. On voit juste cette route-là, en fait, qui est indiquée. Donc, je vais commencer par rajouter le 10.2.1. 10.2.1.0/24. Voilà. Et ensuite, je lui rajoute le 10.1.2.0/24. Et je commit. Donc, en gros, ça permet de dire... Lui, au niveau BGP, il connaît ce réseau-là et ce réseau-là. En plus de celui-là. Et ce qu'il devrait connaître aussi, alors ça par contre ça ne se fait pas sur internet, c'est je vais lui proposer la route par défaut. BGP, adresse family, PV4, unicast, network, et ce sera 0.0.0.0, hop, /24. Voilà, et je recommit. Et donc, en toute logique, hein, maintenant je suis sur le 2 là, le 3 maintenant en termes de route, il devrait avoir la route par défaut et d'autres trucs, banco, il a la route par défaut, il a le 10.1.2, ok, ça c'est cool, et si je vais maintenant ici sur le, on va prendre ISP4 routeur 1, et je fais un petit show IP route. On a la route par défaut qui est poussée. Et donc si je fais un ping vers 1.1.1.1 qui est Cloudflare, là il dit qu'il peut pas. Il dit qu'il peut pas. Alors je fais un petit trace route. Parce qu'il est censé pouvoir sortir sur internet. Show IP. Alors show interface. J'ai le 10.4. Alors, si je ping 10.3.4.1 déjà, est-ce que ça passe? Ouais, ça passe. Si ensuite je ping 10.2 quelque chose, bah, 10.2.1 par exemple. Là, ça ne passe plus. Et si je tente 10.1.2.1. Non. 10.2.1.2, je l'ai pas. Mais ça, c'est normal, c'est ici. Il faudrait que je tente le 10.2.3. 10.2.3. 10.2.3.1. Il en veut pas. Mais le 10.2.3.2, il en veut. Ce qui veut dire qu'en fait, depuis mon routeur 4 ici, j'arrive à aller jusqu'au 3, mais j'arrive pas à aller du 3 au 2.
Donc on va retourner voir ce qui se passe sur le routeur 3. Et je pense que c'est... si je fais un show hyperroute. Et que je fais un show config. Et là c'est pareil, vous voyez. Il annonce qu'une seule route. Il annonce que la route vers son propre... vers entre guillemets son réseau interne là. Mais il n'annonce en aucun cas la 10.2.3 et la 10.3.4. Donc ça c'est vraiment ennuyeux. C'est vraiment ennuyeux, il va falloir que je comprenne pourquoi... les routeurs n'annoncent que la dernière... Alors ça, c'est la partie Terraform. Hop là. Hop là. Karken, si tu fais un MTR, ça peut être plus parlant avec les AS affichés. Est-ce que MTR est installé sur ViOS? J'ai comme un doute. Ah si, tiens, j'ai MTR. Ok. Bah, si je fais un MTR 1.1.1.1, voilà. Commande not found, ok. Donc il me balance tout de suite hein, un network unreachable. Alors si je tente 10 points, j'ai dit 3.4.1 par exemple, il m'affiche pas les numéros d'AS par contre, mais c'est pas grave. Et je voulais faire les 10, 2, 3, c'est ça? Waiting for reply, ok. 10, 2, 3, 2, il le prend. Hop. Alors j'avoue, j'ai pas toujours le réflexe MTR. Mais là, dans l'immédiat, ce qui m'enquiquine vraiment, c'est pourquoi il ne me propose pas... Je vais tenter un truc. Je vais tenter un truc. Là, on est sur le ISP2. C'est sur lequel que j'ai fait des... Non, non, non. C'est sur le 3 où il manque des choses. On va faire sur le 3. Hop. On va les enlever de là et on va les mettre ici. Et... Parce que normalement... J'ai mis mes quotes. Parce que la petite blague que j'ai pu expérimenter avec ces vidéos, c'est que le module Cloud Init pour la distribution Linux ViOS, qui permet de me faire le routeur et d'avoir cette syntaxe qui n'est donc pas de la syntaxe Linux, mais de la syntaxe inspirée de Juniper. Donc en gros, il y a un module Cloud Init. Et il faut toujours que le dernier élément de la commande soit entre quotes. Et Karken, tu me proposes un MTR-Z. On peut jeter un œil. Hop, si je te fais un MTR-Z. Hop. Ok, là il n'y a pas grand chose. Et j'ai perdu le... Ah, hop là. Il a pas l'air ultra... Il a pas l'air ultra... Ah, si, ça y est. Ah, d'accord, il met le numéro d'AS, il cherche... Ah, il le trouve pas, on vous dirait pour l'instant. Je crois que j'ai MTR là-dessus. Hop. Voyons voir ça. Le moins petit Z, il est où? Hop. AS lookup. Et il fait comment en fait? C'est pas garanti qu'il le trouve. Hein. Effectivement, il y a des cas de figure, il les trouve pas. Ouais, non, il le trouve pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, vu que c'est des réseaux privés, à mon avis, il doit se baser peut-être sur les WIS.
Donc ce que moi ce qui m'embête surtout c'est que ici il n'y a que un seul network. Donc là je suis sur le routeur 3. Donc j'enregistre ma conf. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici au niveau de mon interface. Et je vais lui dire shutdown déjà, force off. Et ensuite, je vais lui dire delete. Allez, on va faire aussi sauter ça. Hop. Et on va revenir ici. Hop. Et on va refaire un petit terraform. Alors, on va pas faire un destroy, on va faire un apply. Et normalement, il devrait me repopper que le. Voilà. Il me repop que le routeur. Je suis quand même assez, assez surpris des bugs que je vois quand même. Alors peut-être et après il faudrait que j'upgrade iOS, mais je vais peut-être pas l'upgrader ce soir. Et donc là, on a le démarrage. Ben, vous voyez, hein, c'est un démarrage d'un Linux assez, j'ai envie de dire, assez classique. Mais on a quand même le petit Cloud Init qui est ici, qui va pas tarder à se. Hey, merci pour le follow, Rotlex. Merci beaucoup. Et bienvenue. Alors, est-ce que. Il prend son temps, hein, comme d'habitude. Ça, c'est systemd. Hein. Il a un timeout à plus de 5 minutes en plus. Oh là là. Ah, hop, alors, qu'est-ce que tu me mets? Hop. Oui, false. Sérieux, false. No final module, starting, mounting. Alors là, on va voir tout de suite. Est-ce qu'il y a des confs qu'il a pas réussi à pousser? Je pense. Non, il devrait dire je l'ai fait avec succès ou je me suis planté. Configuration success. Ok. Alors, show configuration. Et là, on a toujours un seul network. Damned. Je suis un peu embêté. Mais bon, ce sont des choses de la vie. Je pense qu'il doit me manquer des éléments. Alors, quels éléments? Ça, c'est une bonne question. Ce que je suis en train de me dire, c'est que il doit me manquer une commande pour pouvoir appliquer ça correctement. Parce que quand je les applique à la main, alors si je reprends tout de suite, ici, il ne m'a appliqué que le 10.3.1. Il ne m'a appliqué que le 10.3.1. Et le 10.3.1, c'est le dernier. Mais si j'applique à nouveau. Si j'y vais au copier-coller, hein, vraiment au copier-coller bête et méchant, alors je fais un configure. Je fais un premier copier bête et méchant. Je fais un deuxième copier-coller bête et méchant. Je fais un commit. Et là, si je reviens ici. On va faire un ping 1.1. Non, il n'en veut pas. Show IP route.
Le dernier caractère a été tronqué, on dirait d'ailleurs. Salut, casse-bonbon. Dans la copie, alors, non. Je sais que ça y ressemble. C'est à cause de la console série qui est limitée en caractère. Mais il le rajoute ici devant. On peut le vérifier. Hein. Allez, config, juste pour le principe. Save, voilà. Et si je fais un petit show config. Hop, voilà, ils ont été correctement rentrés. C'est un classique, c'est un peu relou. Quand on n'est pas en mode copier-coller, quand la commande devient un peu longue, c'est un peu rageant. Mais voilà, en gros, je suis censé avoir ça, moi. Et pourquoi... si je prends le ISP route 1, show configuration, ah bah tiens, lui, là, c'est pareil, il n'a que... oui, Blazniot, il fait le commit auto. Tiens, c'est marrant, ça. C'est marrant, ça. Il pousse pas là... Il pousse que le 10.6.1. Ouais, effectivement, j'ai pas de 10.1.1. Donc j'ai même pas accès au DNS. Ah, c'est ennuyeux tout ça. Alors. De toute façon, on va la faire simple. Hein. ValueOS. Hop. Hop, j'avais loupé la documentation. Alors, c'est pas la version 1.3 que je veux. J'aimerais bien qu'ils me prennent la dernière. Rolling release, voilà. Et si je vais chercher à nouveau BGP. Alors, BGP example. Alors, effectivement, on a le show IP BGP, mais ça... Alors, est-ce qu'il y aurait une notion de précédence-dépendance ? En fait, je suis en train de me dire que chercher les configs BGP sur ValueOS, c'est pas ça qui va m'aider, puisqu'on a pu convenir que, bah, une fois que c'est configuré, si je reviens sur le routeur 3, une fois que c'est configuré, ça fonctionne. Donc, si je fais un petit ValueOS Cloud Init. Il me dit quoi? Bon, le user data, on le pousse. Initial configuration, bon, ça, on l'a. Merci beaucoup pour le follow, Fat Celsius. Merci beaucoup. Effectivement, je me pose la question de cette histoire de précédence, ce genre de choses. Est-ce que des commandes doivent être faites avant? Alors, une histoire de cache. De où le cache qui torsosait? Mais j'ai remarqué un truc, j'ai le même problème en fait avec le NTP, il m'en prend qu'un seul. Il m'en prend qu'un seul et ça m'ennuie un peu.
Ah, alors pour moi, étant donné que j'ai, enfin maintenant que j'y réfléchis, si je vous remontre d'ailleurs la conf, hop, ici, qu'il les remplace au fur. C'est une excellente question, Blasniot. Je pense, qu'il y a un truc comme ça, parce que typiquement. J'ai un problème similaire, maintenant que j'y pense, avec une autre conf, c'est ici. Je voulais mettre deux serveurs NTP, et en fait j'arrive jamais, il ne m'en paramètre qu'un seul. Il me prend toujours que le dernier en compte. Donc ce que je suspecte, c'est qu'il doit pouvoir, enfin, il doit falloir faire quelque chose ici pour que les commandes soient différentes. Si jamais je tente un truc, alors si je me remets ici, que je passe en mode configure, que je fais un show IP, IP route, ah non, show, ah mais je sais pas, c'est parce que je suis en show IP route. Dans leur exemple, ils ne mettent pas les côtes. Mais il s'avère que ici, je suis. Le truc que j'ai remarqué, c'est que quand on a. Comment dire? Quand on a toutes les commandes, tu remarqueras que je mets systématiquement des côtes sur le dernier élément. Parce que si je ne le fais pas, ça plante. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut retester. Je vais enlever les côtes sur ce petit monde-là. On ne sait jamais sur un malentendu. Et là, je suis sur ISP3 routeur 1. Donc, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais aller détruire mon routeur 3. ISP3 routeur 1. On va le delete. Hop. Cache comme ça. Voilà. Donc là, si je reviens de ce côté-là, il n'existe plus. Et puis, on va relancer la création. Hop. Voilà. Et là, normalement, il va démarrer. Je vais peut-être tomber sur un bug. Hein. Mais avant, je voudrais partir du principe qu'il y a peut-être un truc qui me manque. J'essaye toujours de partir du principe, et c'est pas évident, hein, que soit, enfin, quand il y a un comportement comme ça qui ne devrait pas se faire, j'essaye de partir du principe que c'est moi qui fais mal un truc. Soit il me manque un prérequis, soit j'ai mal écrit la commande, soit il y a, enfin, y a un truc. Ça me stresse toujours le truc. Je me dis, mais attends, pourquoi tu attends autant pour que les interfaces réseau se lancent? Là. J'espère que ma petite toux ne vous a pas cassé les oreilles. Alors, si je reviens ici, ouais, bon, comme d'habitude. Hop. Alors. Donc, il monte la config et ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce qu'il il l'accepte ou pas? Il a l'air de patienter un peu plus de temps que d'habitude. Ah non, success. What? What?
Alors, succès, ça veut pas non plus dire qu'il a show config. Ah si, il les a mises. Ok, je suis. Je suis étonné. Je suis grandement étonné. Je suis grandement étonné et dans mon étonnement, je voudrais m'assurer, hop, que à ce niveau-là, je peux en faire autant. Moi, donc la blague, ce serait des fois il faut les côtes, d'autres fois non. C'est ça, Blasniot. Mais alors, quand est-ce qu'il les faut et quand est-ce qu'il ne les faut pas? Pour l'instant, je n'en ai pas la moindre fichue idée. Donc on va essayer, on va essayer. Hein. Là, on va voir ce que ça donne avec avec les NTP. Hein? Hop, c'est reparti, on va détruire le routeur. RIP, t'auras vécu à peine 3 minutes. Voilà. J'ai bien. Ok. Là, il n'est plus là. C'est reparti pour un tour. Il crée. Et hop. Allez. J'avoue, je. Il y a des fois, honnêtement. Il y a des fois, je. Comment dire? Cloud Init, il y a des fois, alors je sais pas si c'est Cloud Init ou le module VIOS pour Cloud Init, mais c'est franchement, il y a des trucs, on se dit bon, il vaut mieux les faire comme ça plutôt que d'utiliser certaines manières classiques parce que on se prend moins la tête. Et typiquement, alors bon. On va me prendre pour un fanboy Red Hat, hein, mais parce que bizarrement, avec les Fedora qui sont justement qui font partie de ce lab, si je viens ici, alors peut-être, alors du coup je vais quitter tout ça et que je fais que les VPS par exemple. Et ben par exemple. VIOS, enfin pas VIOS, mais Cloud Init a un module, a des modules même, pour pouvoir gérer la configuration réseau. Mais en fait, c'est pas très. Comment dire c'est pas très Network Manager friendly. Et résultat des courses, j'en viens à utiliser le module run CMD et lancer la configuration de l'adresse de la machine via la ligne de commande nmcli. D'ailleurs, ça me fait penser que ça, là, on pourra le, hop, on pourra le virer. Alors, il en est où mon routeur? Là, il dit qu'il est en train de monter la config et configuration. Alors, je sais que c'est pas publié pour l'instant sur YouTube, mais j'ai des heures de vidéos sur ce projet, des heures de stream, parce que chaque stream c'est 2 heures. Et il y a des fois, je mets pas les simples quotes à la fin, le truc me dit configuration failure. Je vous jure. Ah, zut, je suis trompé dans le nom. Voilà. Ah oui, ouais, il faudra vraiment que je me mette au montage. Pop, 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 pom. Show config. Alors, les interfaces, ok, loopback. Donc là, il m'a bien mis la partie BGP. Et où est-ce qu'il me considère au niveau du, où est-ce qu'il configure au niveau du système? Voilà, contract, inanial, login, VIOS, NTP, et il me met les deux. Alors pour l'instant, j'ai l'impression que ce que ça veut dire, c'est que quand on a des commandes qui sont identiques, sauf sur le dernier élément, il faut pas mettre de côte. Parce que si on met des côtes, il ne prend en compte que la dernière commande.
Alors donc, eh ben, ce que je vais faire, hein, dont acte, si je puis me permettre. C'est une excellente question, Kitter Sosé. Je n'en sais fichtre rien. Oui, c'est tordu, Blasiant. Je suis complètement d'accord, c'est ultra tordu. Hop. Mais honnêtement, hein, après, vous allez pouvoir m'accuser si vous voulez d'anti-canonical et de fanboyisme Red Hat. Mais ouais, j'ai l'impression que des fois, Cloud Init, qui donc a été développé principalement pour Ubuntu, des fois, c'est pas la stabilité absolue. Alors, histoire de pas non plus passer vraiment, vraiment pour le fanboy, et c'est pas parce que j'ai un polo Fedora aujourd'hui, mais Red Hat, ou tout du moins la communauté Fedora, alors c'est peut-être ouais, leur plugin pour la conf, mais peut-être qu'ils sont victimes d'un bug de Cloud Init. Hein. Mais il existe un équivalent, entre guillemets, Fedora Red Hat de Cloud Init, qui s'appelle Ignition. Et. Alors, j'ai oublié un côte. Ah. J'ai oublié un côte. Alors. Ah, attends, bah, du coup, je vais retourner. Hop, ici. Alors. Là, j'ai pas de côte. En haut, j'ai pas de côte. En bas. Là. Ah, bah oui, effectivement. Hop, il en restait une. Bien vu. Bien vu, les gars. Pouf. Ça, c'est bon. Ensuite, ici. En haut, il n'y a pas les côtes. Et en bas. Il n'y a pas les côtes. Mais donc oui, y a un équivalent qui s'appelle Ignition. Et en fait, alors j'y ai joué vite fait avec. Et je vais pas dire que c'est mieux, je vais pas dire que c'est pire. Mais il y a quand même un élément que je trouve à redire. C'est que en fait, faut plus ou moins compiler le fichier de conf. Et je trouve qu'en 2000, en 2022, compiler un fichier de conf, c'est franchement relou. Blazniot qui nous dit par là, il y a un replace égale false. On va aller rejeter un œil tout de suite. Parce que c'est intéressant. Hop. Ah, t'es carrément allé regarder dans le code source du module Cloud Init de VIOS. Alors moi je dis GG Blazniot, t'as la motivation. Et je trouve ça super génial de ta part. Alors, bah, ligne 159, if NTP string. C'est de l'open source, ça fait peur. Oui, exactement. Effectivement, value égale serveur, replace égale false. Effectivement. Alors moi, ce que j'ai envie de faire, du coup, c'est d'aller chercher... Oh, punaise. Oh, le code. Oh là. Est-ce que y a des trucs pour le BGP dedans? Non. CCVIOS.py. Dev 7 SSH login hostname filter config si je cherche protocols voilà et il y a un replace donc 7 IP route config IP version destination. Replace route, bool égale false. Ouais, mais pourtant il est à false de base.
Mais ça a l'air d'être plutôt pour de la route statique, non? On remarque le truc, il dit, ouais, set protocol static route. Ma string écrase la... C'est une idée, c'est une possibilité qui te ressousait. Après, en toute franchise, je me vois mal recompiler le truc là comme ça, enfin recompiler. Parce que pour information, le projet VIOS fournit donc des images ISO en rolling release de leur système. Mais ils ne fournissent pas, enfin ils fournissent je crois aussi une image prête à être déployée pour des VM. Mais ce qu'ils ne fournissent pas, c'est une image prête à être déployée, incluant Cloud Init. Donc il a fallu que je régénère moi-même une image avant ma série de streams qui prend en compte Cloud Init et leur module. Ce qui laisse à penser que pour le moment, s'ils sont pas en mode on fait des images avec ça par défaut, je ne sais pas, Blasniot. Pour être honnête avec toi, pour l'instant, j'allais dire encore Cloud Init. Non, je vais arrêter de cracher sur Cloud Init pour ce soir. Mais pour VIOS, je suis pas encore assez familier avec le projet. Et donc, a priori, c'est sur Launchpad. Ok. Mais ouais, au niveau des routes. Salut à toi, Yoda! Hop là. Tiens, je saute du coq à l'âne, enfin presque. Yoda arrive et j'ai regardé le dernier épisode de Obi-Wan aujourd'hui. Je dirai rien sur ce qui s'y passe, hein. Je vais pas vous spoiler, faut pas. C'est pas gentil de spoiler les gens. Voilà, chut. Non, je... Bah, Rin, voilà, Rin. Mais non, reste là, regarde, on s'amuse, on a des bugs avec VIOS et surtout Cloud Init. C'est drôle. C'est drôle. Puis tu pourras aller le regarder quand j'aurai fini. Là, il me reste quoi? Il me reste un quart d'heure, 20 minutes de stream. Bon. Il n'y a pas de bug dans Cloud Init que dans son utilisation. Alors, tu m'as loupé en train de dire du mal de Cloud Init. C'est bien. Bon, allez, je vais trasher le lab et puis je vais le refaire. Pop, 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 pom. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Et pendant que ça se trash et ça se recrée. Alors, ce qu'on suppose, Yoda, notamment avec Blazniot et Kitor Sauzé, c'est qu'on se demande s'il n'y aurait pas des bugs plutôt dans le module VIOS pour Cloud Init. Parce que la blague, et je te remontrerai, hop, c'est que, tu vois, je ne sais pas si tu te rappelles des vidéos précédentes où, quand je ne mettais pas des quotes sur le dernier élément des commandes VIOS, dans les fichiers de conf Cloud Init, ça me balançait des erreurs. Et en fait, on s'est rendu compte que il y a certaines commandes, et ben en fait, quand tu les écris plusieurs fois, il faut pas mettre de côte. Donc là, tu vois, j'ai un ajout d'un préfixe BGP. Et ben là, je mets pas de côte, je le fais trois fois. Et je mets pas les côtes. Parce que si je mets les côtes, il écrase et il me prend en compte que la dernière. Et en fait, le problème s'était présenté aussi pour les NTP. Marrant, hein? Je pensais pas que je tomberais sur ce genre de blagounette ce soir. Ah bah si je mets tout en côte, si je mets absolument tout en côte. Ah, tu veux dire carrément au niveau du set, au début du set protocols? J'ai pas essayé. J'ai pas essayé. On pourra tenter, effectivement. Il en est où, lui? Il est en train de faire le... ISP1 DNS1.
Ok. Ah, aussi, il m'a créé le volume. Il m'a créé les volumes, ok. Si je regarde les VM, il en est où? Il a le ISP4 router 1, ok. Donc on va aller. Si je viens ici. Ah, il est en train de démarrer. Alors, j'ai cru voir passer des no such files en device. C'est rassurant. Je pense que je vais essayer de le tester une fois qu'on aura fini là, cette recréation de lab. On essaiera, tiens. C'est pas bête d'essayer ça, Yoda. Plein de remarques pertinentes, tu es, Yoda. Voilà, ça c'est fait. Allez, démarre, démarre. Hop. Il en est où, lui? Pareil, il est en train de se plaindre de ses interfaces. Faudrait quand même, à l'occasion, que je regarde c'est quoi exactement ce truc-là, parce que à chaque fois il est en mode j'attends que les interfaces soient up. Enfin, faudrait que je vois s'il n'y a pas moyen de bypasser ce truc-là. ATOP Advanced Performance Monitor, tiens, ça me. Découverte, tiens, ATOP. Pour être amusant de regarder. Mais une chose à la fois. D'abord, occupons de nos côtes. Alors, mounting config, ok. Et ensuite, il est censé me dire configuration success. Allez, affiche-moi le configuration success, s'il te plaît, s'il te plaît. Sois gentil avec moi, Cloud Init. Sois gentil. Configuration success. Ok. Bon, ça veut pas dire non plus que tout est parfait, mais hop. Et puis je fiche un petit show config. Alors, et bon, les a. Super. On a les trois routes. Enfin, les trois routes, les trois préfixes. Ok. Et ensuite, pop-pop-pop-pom, on a les deux NTP. Ok. Eh ben c'est génial. Donc déjà sur celui-ci on l'a. Et si je fais un petit show. Hey, merci pour le follow, Chronoscillation. Merci à toi et bienvenue. Si je fais un petit show hyperroute, qu'est-ce que j'ai sur l'ISP3? Il y a la 0.0 via la 10.2.3.1 qui est passée. Ok, la 10.1. Oh! Donc si je tente un ping vers la 10.1.1.53, on l'a. Et ça, c'est cool. Et maintenant, oh, success aussi sur le routeur 4. Et si je fais un petit show IP route, on a aussi la route par défaut qui a été poussée. Mais on a le reste, effectivement. Donc si je, alors, histoire de varier un petit peu, hein, si je fais juste ça, là on sort sur Internet. Ok, c'est cool. C'est très cool. Blazniot qui sort les émotes de chez Emile. Le Rodriguez. L'occasion pour celles et ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs la chaîne de Emile NB sur Twitch. Je vous encourage à aller le voir. N'hésitez pas à aller le voir de ma part, à le saluer, parce que bah il fait des choses assez chouettes. Alors généralement le mercredi, il a ses streams dits open bar. J'aurais tendance à dire attention aux âmes sensibles, mais normalement il a un petit disclaimer en début de stream. Alors quand je dis attention aux âmes sensibles, c'est juste que voilà, il raconte des choses qu'il faisait un peu plus il y a quelques temps. En tout cas sur ces derniers streams-là, les streams open bar sont vraiment bah, comme son nom l'indique. Hein, c'est on se lâche tranquille, voilà, c'est open.
Et puis il est un peu plus technique sur les sur ses streams du samedi après-midi, où ces derniers temps ça causait pas mal NetBSD. Et c'était plutôt chouette. Alors j'ai pas encore fini de regarder le replay de son stream d'hier soir. Mais je pense que je vais rattraper ça demain. Toujours est-il que pour le moment c'est plutôt pas mal. Puisque notre ISP4 routeur 1, eh ben, il a toutes les routes. Hein. Voilà, c'est parfait. Je peux me tenter un ping 10.3.1.1. Ok. Et si je fais le 101, normalement, ouais, ça passe. 102 qui est le deuxième. Et 103 qui est le troisième. Parce que dans Cloud Init, j'avais dit, au fait, ces trois machines-là. C'est 101, 102 et 103. Voilà. Donc globalement, ça fonctionne. Alors maintenant, vu qu'il me reste encore un petit peu de temps, ce que je vais faire, c'est que on va essayer ce que propose Yoda. Donc je vais démolir mon routeur. Voilà. C'est histoire. On va démolir le routeur 4 cette fois-ci. C'est histoire de changer un peu du 3. Hop là, voilà. Et puis, on va revenir ici et on va faire. Alors, avant de faire un Terraform auto-approve, il faut que j'aille voir ici. Alors, Yoda, tu penses qu'il faudrait que je mette genre des simples quotes autour de toute la commande, comme ça. Je. Oh, ça se tente, hein. Ça se tente. Voilà. Juste le dernier argument. Ben, Kitter Sosé, on a vu que le dernier argument, ça marche pas. Et si je comprends bien, ce que Yoda voulait, c'est effectivement mettre tout entre côtes, toute la ligne. Donc on va essayer, hein. Hop. L'avantage d'un lab. Les derniers arguments en mode tableau. Alors, le apply, il est fait. Hop. On va voir ce que ça donne. Pour le moment, j'avoue que je suis pas sûr à 100% que ça fonctionne. Mais je peux me tromper. Hein. Je me suis déjà trompé. Je me tromperai sans doute encore après dans le futur. L'important, c'est d'apprendre. Tenez, tiens, pendant que ça démarre, j'en profite aussi pour vous signaler que bah, on a aussi comment dire, vous pouvez aussi parce que oui, à la base, je voyais l'emoji de Blazniot par rapport à la chaîne 10 000, mais vous avez des emojis custom ici aussi. Donc déjà tous ceux qui ont sub ont des emojis moutons. Et puis normalement si vous avez des points de chaîne, au bout d'un moment je crois que vous avez les emojis moutons. Alors, Kitter Sosé, tu remis les deux serveurs DNS dans la même ligne de conf entre côtes. Si tu as bien compris. On pourra tester ça. On pourra tester. On pourra tester. Mais du coup, pour en revenir aux emojis, ouais, il y a quelques emojis moutons, notamment des GG, des LOL, des LO, ce genre de choses-là, avec lesquels vous pouvez vous amuser. Alors. Donc là, il monte la config. La question, c'est, est-ce que ça va bien se passer? Configuration success. Ok. Ok. Donc déjà dans un premier temps il n'a pas hurlé. Maintenant si je fais un show config. Et il m'a mis mes trois. Il m'a mis mes trois networks. Ok. Ok, soit. J'avoue que c'est. Comment dire, je suis. J'ai un peu du mal à comprendre la logique, pour être honnête.
Voilà. Ensuite, quitte à se poser, tu aurais mis les deux serveurs DNS sur la même ligne de conf entre côtes. Donc, si je comprends bien, toi, ce que tu aurais envisagé, quitte à se poser, c'est par exemple, hop, 2, 3, et puis, comme ça. Toi, tu es plutôt partant de faire ça, en fait. Bah écoute, on va essayer, hein. Ce sera le dernier essai de ce soir, je pense. Hop. Et puis on va redestroy et recréer. Salut à toi, Rancune! On va démolir le routeur 4. Hop. Non, on va pas force power off, on va carrément te delete. Hop là. Tac. Et hop, on la recrée. Ça te paraît bizarre, Yoda, que mettre le dernier token entre côtes change le comportement? Bah oui. Merci beaucoup pour le follow, Edanui. Merci à toi. C'est gentil. Hop, alors. J'ai démoli quoi, là? J'ai démoli quoi? Ah, c'est le VPS que j'avais démoli. Pop, 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 pom. C'est le VPS que j'avais démoli. C'est ça? Ouais, c'est ça, c'est le VPS que j'avais démoli. Allez, c'est le routeur que je veux démolir. Hop. On repart. Bon, le VPS aussi, on va le cramer. Parce que sans le routeur, il va pas faire grand-chose. Hop, voilà. Allez. Alors, Yoda, quand je mets pas les côtes. La comment dire la commande n'est pas prise en compte à un point où en fait au démarrage quand il fait le mounting iOS configuration il dit failed ou error ou un truc dans le genre et selon les cas de figure il y a des comment dire il y a une, je crois que c'est tout ce qui suit cette erreur-là, en termes de lignes, toutes les lignes suivantes, je crois, elles sont pas prises en compte. Parce qu'à mon avis, il doit y aller une par une, il doit faire je fais une ligne, je commit, je fais une ligne, je commit, je fais une ligne, je commit. Bah alors, pour le moment, ce que je vais tester, c'est juste l'ajout là, des trois arguments. On va bien voir ce que ça donne. Mais si je mets tout entre côtes, ce que j'ai fait tout à l'heure là, bah ça passe aussi. Enfin ça passe. Ça a l'air d'être appliqué correctement. Ah oui, c'est franchement bizarre. Hein. Et Blazniot a. Ouf, alors Blazniot ce soir, sa passion, c'est faire des recherches dans GitHub. Merci beaucoup à toi, Blazniot. Alors, using the new. Module is possible. User data new parameter. Je dis list. Gnagnagna. Ok. Une commande par ligne. Si la commande se termine par une valeur, ça doit être entre des simples quotes. Ouais. Et si le symbole n'est pas ok. Et une n'est pas. Non, rien. We value the command list. Produced by the show confirm. What? Si la commande se termine par une valeur. Oh! Rancune qui offre du sub. Merci beaucoup Rancune, merci beaucoup pour Eden. Merci, merci infiniment pour le sub, c'est encore super cool. Oh, en plus c'est ton premier sub gift. C'est ton premier sub gift, ben encore merci Rancune.
C'est un jeune qui mérite. Ben, profitons-en d'ailleurs pour faire un petit peu de publicité à Rancune qui lui aussi fait du stream, mais plutôt orienté électronique. Alors généralement, ces streams ont lieu les vendredis à 18h, si je ne m'abuse, pour le moment. Tu me corrigeras si je me trompe, Rancune. Mais plutôt, Rancune fait plutôt de l'électronique. J'ai pas fini, je crois, de rattraper le premier stream. Le deuxième, je suis passé durant le stream assez pour voir la fin, que je ne dévoilerai pas parce que c'est le plus amusant, entre guillemets. C'est pas le plus intéressant, mais c'est le plus amusant. Si vous. J'espère que je fais assez bien le teasing sans trop en raconter. Comme ça donnera aux gens d'aller voir. Envie d'aller voir, pardon. Mais oui, Yoda, c'est un peu bizarre. Parce que moi, je comprends pas quelle est la différence entre démo 1, 2, 3, qui est une valeur pour le hostname, et pour moi, 1.pool.ntp.org, enfin, c'est une valeur aussi. Blazniot, si je comprends vaguement, c'est entre quotes, c'est interprété comme une valeur, donc ça remplace. Si tu peux mettre une liste, du coup, il faut pas de quotes. Ouais. Là, il m'a refait configuration success, ok. Hop, donc là j'ai mes networks et si je vais chercher mes. Ouais, alors là j'ai comme un doute que la machine soit à l'heure avec ça. Hein. Je vais être complètement transparent. Et a priori, c'est pas autorisé, hein, d'après ce que je vois là. Pour moi, il aurait dû hurler. Pour moi, il aurait dû hurler. Il a pris ça comme une seule valeur, ouais, tout à fait. Ok, donc ça confirme ton hypothèse, Blazniot. Je vais tout de suite aller changer ça parce que j'ai pas très envie de le garder dans mon. Voilà. Hop. Peut-être que ça peut résoudre. Je veux pas tenter, Yoda. Je veux pas tenter. En tout cas, c'était super chouette. Bravo Blazniot. Bravo à toi. Faudra que je. Hop. J'étais en train de me dire, Blazniot, je sais pas si tu es. Je crois pas que tu sois VIP sur la chaîne. Mais. Alors, je vais peut-être pas le faire maintenant. Mais je pense que à l'occasion, je vais te passer VIP sur la chaîne. Rien que pour ça. Parce que là, grosso modo, grâce à toi, on a une explication qui est quand même sacrément. Enfin, c'est. Voilà. J'avais jamais pris la peine de chercher. Toi, tu l'as fait. Donc, merci. Merci beaucoup. Parce que franchement, ça explique bien des choses. Voilà. Ça, là, ça, honnêtement, j'aurais pu passer la soirée en mode galère en me demandant ce qui se passait. Mais là, on a compris et on sait ce qui se passe. Ta passion, c'est fouiller GitHub. Ouais, bah, je vois ça. Chacun sa passion, hein. Mais en tout cas, elle nous a été fort utile ce soir. Bien. Alors, vu qu'il est déjà 22h05, on va en rester là pour ce soir. J'espère que vous vous êtes aussi bien amusé que moi ce soir. J'espère que vous êtes presque aussi bien amusé que Blazniot aussi. toujours est-il que vous pouvez donc me retrouver le jeudi de 20h à 22h, le dimanche de 18h à 20h. Alors, le jeudi, c'est pour le lab Ascode, et le dimanche, on fait joujou avec des conteneurs.
Je pars à la découverte du monde des conteneurs. Alors, on y va gentiment. On a passé le dimanche dernier sur Podman à faire deux trois bricoles, à faire joujou aussi avec des redirections de port pour essayer de faire des trucs au niveau serveur web, des trucs assez sympas. Par contre, alors je sais pas exactement où va me mener cette histoire de conteneur. J'ai des idées, mais je veux pas trop en parler parce que si jamais je le fais pas, ce serait dommage. Petit détail. Jeudi prochain, exceptionnellement, il n'y aura pas de stream. Il se trouve que j'ai un déplacement professionnel en région, comme on dit, et il se trouve que je vais rentrer justement le jeudi soir un peu tard. Donc je ne pourrai pas être à temps sur l'horaire de stream que je vous ai indiqué. Le temps que j'arrive, je pense que j'aurais plus envie d'aller me coucher, besoin d'aller me coucher d'ailleurs, que je ne serais pas forcément en état de streamer. Bah quoi, c'est comme ça qu'on dit, non? On dit en région. Il paraît qu'il faut pas dire province maintenant. Que quand on dit en province, c'est péjoratif. Alors moi, je m'adapte, hein, puis nos régions sont belles. Tiens, j'avais loupé le message de Blazniot. Merci pour le stream et pour le lab. Écoute, il n'y a pas de souci pour tester le lab. Moi, le but, c'est justement en ayant fourni le lien GitHub vers mon lab. Alors là, j'ai pas commité ce soir, j'essaierai de commiter dans le week-end. Mais l'idée, c'est justement que chacun et chacune puisse le recréer. Alors, faudrait que j'arrive à publier l'image VIOS avec le module Cloud Init quelque part pour que vous puissiez en profiter pour que chacun et chacune puisse prendre ce qu'il y a dans le repo et puisse juste installer Terraform, installer Cloud Init, non, pas besoin, juste installer Terraform et puis dire et faire init apply et hop. Voilou. Les vidéos avec beaucoup de retard finissent par être dispo sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver tous les liens en dessous, notamment pour vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche. Ça fait toujours super plaisir. Et puis sinon, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux et notamment Twitter, Mastodon et Instagram. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de soirée. Je vous donne rendez-vous donc dimanche pour des conteneurs. Et d'ici là, eh ben, amusez-vous bien. Bye bye!